Yo les gens, ici Rafé Gaming, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Je vous présente enfin la phase finale de Clothing Store Simulator. Donc merci aux développeurs et éditeurs m'envoyer une clé et surtout à quel meilleur. Donc du coup le jeu est sorti le 17 juin 2024. C'est développé et édité par Kiki Games, donc c'est un jeu de magasin. Attendez, je vais juste fermer la fenêtre de ma chambre parce que là on entend tous les bruits environnants. Donc c'est pas évident. Donc voilà, vous aurez pu entendre le bruit. Donc voilà, je vous avais déjà fait le prologue et là c'est la version finale du jeu. Donc on y va, j'espère qu'on peut jouer à la manette. J'espère qu'on peut jouer à la manette. Donc on va faire un nouveau jeu. Je sais pas ce que je pourrais mettre comme nom de magasin, je sais pas moi. Est-ce qu'ils vont me demander un nom de magasin? Accueillir. Vous faites les premiers pas dans votre voyage dans une petite boutique au centre de mode le plus important de la ville. Achetez quelques produits, remplissez les allées et commencez à vendre. Vos prix en vente doivent être équilibrés, prenez soin de vos clients, augmentez vos ventes, améliorez votre magasin, ne faites pas faillite, travaillez dur et amusez-vous. Donc là on est bien. Ah bah non, c'est pas le même magasin. C'est pas le même... Clothing Simulator. Ah, c'était pas celui-là où on pouvait... Ah non, c'est pas ce magasin-là. C'est pas ce jeu-là qu'on pouvait faire plein de trucs. Donc c'est pas, on va refaire du tacticiel. Ah, je confonds avec un autre jeu. Il y avait un autre jeu qui était sympa aussi, celui-là. Que j'avais fait sur ma chaîne, mais c'était pas le même jeu. Donc là, ils disent d'aller du tacticiel. Ok, alors attendez. Donc là, haut-parleur. Je sais pas pourquoi on dit ça, haut-parleur. Qu'est-ce qu'on doit faire? Aller dans l'ordinateur et commander votre premier produit. Grossiste, je pense. Ouais, faut acheter des produits. Donc, alors je sais pas s'il y a des mods sur ce jeu-là. Je pense qu'il doit pouvoir avoir des mods. Hein. Donc on va acheter... bah, on n'a pas beaucoup de thunes, par contre. On va acheter 10 robes de femme. Donc c'est 200. On va acheter ça par contre. Ça. Ajoute au panier. On va acheter ça. On va acheter ça. On a pour 500. Donc ça va encore. Donc on va acheter. C'est où qu'on achète là? Ah oui, ici. Acheter. Tac, là on a acheté nos premiers produits. Hop. Donc c'est un peu comme Market Simulator. Par contre, il faudra que j'achète des trucs parce que j'ai pas assez de trucs moi du coup. Ah, bah par contre, c'est bien. Ah, par contre, c'est pas ce jeu-là. Ah, je pensais que c'était le jeu-là que je pensais, mais non. Par contre, on peut les mettre directement. Voilà, tac. On va acheter des... Est-ce qu'on peut acheter des meubles ou pas stock? Non, c'est pas ça. Retour. Gérer le magasin. Non, c'est pas ça. Grossiste. Meubles. Voilà, faut acheter des meubles. On va en acheter deux comme ça. Alors, je sais pas si on a acheté. Ajoute au panier. Et ajouter au panier. Donc, vous avez fait précédemment la vidéo découverte du prologue. Mais là, c'est le jeu complet maintenant. Donc ça va être différent je pense. Donc on va mettre ça, hop, c'est un peu comme je vous disais, c'est un peu comme emporter E. C'est un peu comme F pour voir la boîte. Donc c'est un peu comme Market Simulator, sauf là vous avez un magasin quoi. Vous gérez un magasin de fringues. Donc peut-être que je vais faire quelques vidéos sur ce jeu-là peut-être. Peut-être faire quelques vidéos sur ce jeu-là. Si ça vous intéresse. Parce que moi Market Simulator j'ai laissé tomber. Hein. Bah j'ai laissé tomber, j'ai dû refaire ma partie à zéro donc je sais pas si je vais y rejouer encore. Hop, peut-être faire une vidéo de quelques minutes. Tac. Voilà, tac, on va mettre les robes ici, mettre les jupes ici. Voilà, tac. Alors par contre c'est plus facile, hein. Y a pas besoin de carte bleue, tout. Ça se fait tout seul. Vous rendez... Malheureusement on rend pas de monnaie comme dans Supermarket. C'est plus simple à jouer. Fixer les prix. Ah, faut que je fixe les prix. Par contre, on fait comment pour fixer? Emporter. Ah, par contre, c'était pas ici, je crois, le prix. Fixer le prix, c'était pas ici. Stock. Ça va être ici, je crois, la robe. Donc, eux, ils disent 47. Coût 47. Approuvé. Donc, 47 prix. Conseiller 47. Bah ouais, vas-y. Hop, ici, pareil. 35-25, approuvé. Et là, approuvé. Voilà. Normalement, c'est bon. Ouvrez la boutique maintenant. Donc, ouvrez la boutique. Voilà, boutique, voilà, hop, ça c'est fait, c'est ouvert, voilà. Donc le jeu a l'air d'être intéressant, je pense, bon, ça peut être pas mal. Ah, je pensais que c'était le jeu où, j'avais testé un jeu il y a quelques jours où on pouvait faire vos propres designs. Mais c'est pas ce jeu-là, je pensais que c'était celui-là, mais là c'est pas celui-là. Donc on va se mettre ici, hop. Donc là, normalement, il y a juste à scanner. On va faire peut-être une journée de travail ou deux, on va voir. Bonjour madame. Hop. C'est bon, vas-y. Tu peux y aller là. Ah, terminé, espace. Toute
Félicitations, maintenant que tu sais quoi faire, une aventure passionnante dans le monde de glamour de la mode vous attend. Voyez si vous pouvez transformer votre magasin en centre de mode de la ville. Ok. Donc là, vous voyez, ça paye tout seul, c'est ça qui est un peu dommage. Wow, le mec, il est un peu costaud. Puis le mec, il prend une robe. Voilà, vous voyez, c'est un peu pareil, c'est le même système que Market Simulator, sauf c'est un magasin de fringues. Que moi, j'avais testé un autre jeu sur ma chaîne. Attends, je voulais regarder quand même le jeu sur ma chaîne que je vous parle là. Que j'avais bien apprécié, je pensais que c'était ce jeu-là. Mais non. Attendez. Attendez, ouais, je vais regarder vite fait. Je regarderai après la journée. Voilà. Donc, on gagne un peu d'argent là. Ouais, c'est pas mal, hein. Attendez, je vais vous dire c'est quoi le jeu que j'avais. Que je confonds le jeu peut-être. Attendez, YouTube. Je vais regarder sur ma chaîne YouTube vite fait. Hop. J'espère que je vais avoir le temps de le faire. Tac. YouTube. Alors, c'est un jeu que j'ai présenté il n'y a pas longtemps en plus. Hop, il n'y a pas de stand de magasin. Ah ouais? Ah, il n'y a pas... Ah, il n'y a pas de stand, d'accord, ok. Alors, le jeu, c'était... Attendez, j'ai fait il y a quelques semaines. C'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Il y a quand même... Ça date quand même, hein. C'est pas ça. Ah, c'est ça. Factory Outlet. Je pensais que c'était ça, mais non. Faut que j'regarde si je peux avoir une clé de ce jeu-là, en version finale. Je pense que je peux l'avoir en version finale. Factory Outlet qui était vraiment bien. J'avais bien aimé ce jeu-là. J'avais bien kiffé. Par contre, je peux pas acheter pour l'instant des mannequins. Je sais pas, je peux en acheter des mannequins ou pas. Oh, je suis con pour quitter ce truc-là, moi. Ah oui, d'accord, c'est là. Je peux acheter des mannequins ou pas? Je sais pas, je peux en acheter. Grossis. Meubles. Ah, je peux pas encore en acheter des mannequins, merde. Ah, y a pas de cabine téléphonique. Cabine d'essayage, je vais en mettre deux. On a acheté deux. Je mets deux cabines téléphoniques tout de suite. Par contre, je vais attendre d'avoir fini. Voilà, hop, bonjour. Parce que du coup, les gens, ils achètent pas du coup parce qu'ils ont pas de cabine téléphonique. Donc, je vais faire ça, tac. F pour prendre, je crois. Non, c'est E. E pour porter. Parce que j'ai pas mis de cabine téléphonique. Mettre FE téléphonique, cabine d'essayage, cabine téléphonique. Ouais, non, on met des cabines téléphoniques dans le magasin, c'est sûr. Hop, je vais faire ça. Hop, et E. Je vais en mettre une de chaque côté. Ou soit j'ai mes côte-côte. Peut-être mettre côte-côte même. F. Peut-être les mettre comme ça, côte-côte. Je sais pas si je peux les coller. Voilà, nickel. Bon, c'est pas très droit, je crois. Bon, c'est pas très droit. On y va. Hop, on va faire ça. Tac, bonjour madame, monsieur, excusez-moi du retard. Voilà, hop, ça c'est bon. Donc là, la journée est bientôt finie, je crois, dans la journée. Vous voyez, c'est vraiment pas mal comme jeu. Comme je dis, c'est le même principe que. Car. Super Market Simulator, hein. C'est le même principe du jeu. Hein. Sauf vous avez un magasin de fringues, quoi. Donc après, je pense qu'on va pouvoir acheter des marques, tout ça. Voilà, hop. J'ai presque plus de fringues, moi, en plus. On va pouvoir racheter des fringues, faire commander tout de suite, je vais quand même décommander. Ah, qu'est-ce qu'elle m'a dit elle? Elle était pas contente, pourquoi elle était pas contente? J'ai pas vu ce qu'elle avait. Moi bon, je sais pas. Bon, je vais racheter des fringues, je vais profiter de racheter des fringues. Je vais en racheter grossiste, on va racheter ça. On va racheter des fringues, remettre en rayon, hop, acheter. Bon, ça m'a fait perdre un peu d'argent, mais c'est pas grave, tant pis. Remettre en stock. Par contre, je me rappelle plus c'était quoi. Ça c'était les robes, je crois. Et c'était les robes qui étaient ici. Voilà, hop, on va mettre ça à côté. Donc là, pour l'instant, le magasin, la journée est finie. On va pouvoir. Là, on a déjà un bénéf déjà, vous voyez, on a déjà un bénéf. Donc là, la petite chemisette. Et après, on peut avoir des fringues. Après, on pourra avoir des fringues aussi également. Des jeans, tout ça. Mais ça, faut faire plusieurs journées. Voyez, hop, je fais ça. Là, vous voyez, hop. Vous voyez, si je fais ça, stuck. Retour, non, c'était dans grossiste. On peut avoir plusieurs marques. Marque, voilà. On peut acheter une marque pour 200, vous voyez. On a homme pantalon, homme sweatshirt, homme t-shirt, femme t-shirt. Donc pour 200 balles. Donc c'est pas très. Je pense que je vais. Décoration spéciale. On a décoration avec des levels. Donc c'est vraiment pas mal, franchement. Là, on a encore des présentoirs. Là, on a des mannequins qu'on pourra habiller. Ça peut être pas mal également. On a les shift 4, je sais pas c'est quoi. Et mannequin femme. Donc je pense qu'il n'y a pas tout, hein.
Après, le jeu va s'améliorer avec des mises à jour. Hein. Cela, Marc, on n'a pas tant que ça. Oh, comment? On a quand même pas mal de marques. Hein. On palais qu'au niveau jusqu'au level 75 déjà. Nous, moi, je suis level 2. Il y a de quoi faire pour l'instant. Par contre, on n'a pas de chaussures, je pense pas. Non, on n'a pas de chaussures. On va refaire une nouvelle journée. On va faire N. Voilà. Donc, journée impossible de trouver des produits. Donc, c'était pas très bien. Hein. J'ai gagné quand même de l'argent. Frais d'approvisionnement 1400. Donc, j'ai total moins 200. J'étais à moins 200. Donc, on va faire commencer une nouvelle journée. On va faire ça, par contre, ça c'est chiant. On va faire une nouvelle journée. Hop, et après je vais vous laisser, je pense. Bah, après, vous voyez, c'est le même principe que la gérant de magasin. Donc là, on a plein de trucs, boutique, zone d'entrepôt. On peut améliorer aussi. Ah, bah attendez, on peut même changer le nom de l'entreprise ou pas? Clothing Simulator, acheter. On va laisser comme ça. Pour l'instant, bon, je pense qu'on peut faire plein de trucs quoi. Bonjour. Ah, ouais, un truc en face, on a Shipping Office. C'est quoi ça? Bon, je pensais qu'on avait des trucs ici, mais non. Je vais quand même y aller. Après, le jeu, il tourne bien, le jeu. Il tourne vraiment bien. Après, c'est un petit jeu. Hein. C'est pas un gros jeu, donc forcément, ça tourne bien sur le PC. Mais j'essaierai d'avoir Outlet, une clé pour Outlet, le jeu, là, que j'ai. Également. Bonjour. Hop. On va se laisser là. Mais là, au moins, je vais pouvoir faire quelques épisodes sur le jeu. Je vais proposer quelques vidéos dessus. Ah, par contre, elle... Qu'est-ce qu'elle veut, elle? Ok, y a rien. J'attends que la rose, que le truc qui s'enlève pour le remettre là-bas. Donc les gens ils essayent pas les fringues, c'est ça qui est chiant. Donc là on a quand même les sous 82, vous voyez qu'on est à 82. Par contre c'est chiant, c'est pas assez poussé. C'est pas aussi poussé que... Que le... Supermarket, dommage que c'est pas assez poussé. Alors qu'on paye pas la carte bleue, tout. Que là ça se fait tout seul automatiquement. Mais j'ai vu que... Il y a pas mal de jeux sur PS4 qui sont sortis comme ça. Des jeux comme Supermarket. Mais voilà, ils sont moins bien, je trouve, que Supermarket, je trouve. Bah, c'est des copies, on va dire, de Supermarket. Sur PS4, ils ont sorti plein de jeux. Copies de Supermarket. Ah, voilà, elle va faire des gros chiffres, elle. Ah, bah, ici, elle est fringue, d'accord, ok. Ah, ça y est, je vais pouvoir mettre mon truc là-bas. Je vais attendre qu'eux, ils partent. Puis après, je vais y aller. Alors, je sais pas ce qu'ils font, les gens, ils réfléchissent à quoi, là? Est-ce qu'ils attendent, hein? Bonjour, madame. Hop. Je vais aller voir vite fait ça, remettre ça en rayon. Voilà, hop. Donc là, je suis à 1200 déjà, j'ai gagné pas mal d'argent. L'argent, ça monte, ça monte, ça monte. Je pense que je vais attendre d'avoir dans les 2000. Faites plusieurs journées comme ça pour avoir des fringues. Plusieurs marques. Peut-être pas forcément d'y aller tout de suite. Voilà. Donc après, au niveau de la démo, au niveau de la... Alors je sais pas ce que ça change par rapport au... Que j'avais moi, j'avais testé la prologue. À mon avis, y a pas tout. Bientôt, statistiques bientôt. Paiement, tenez, regardez. On peut un loyer 5 jours restants. Donc 50, c'est pas très cher. C'est pas très cher payé, je trouve. Pour un loyer. C'est vraiment bien, je trouve. Après, je pense qu'on peut avoir des marques, peut-être. Hein. Des marques. On peut peut-être avoir des modes pour ce jeu. Hein. Ça se pourrait. Hein. Je pense pas, mais imagine s'il y a des modes, vous pouvez marquer des marques. Style Lacoste, des trucs de marque, quoi. Ce serait pas mal, quoi. Après, je sais pas si on peut avoir des employés. Je suis pas sûr qu'on peut avoir des employés. J'ai pas vu qu'on avait des employés. Ah, on peut avoir des employés, oui. Embaucher. Mais faut être niveau 15, donc c'est pas tout de suite. Hein. Voilà, hop. Ah, il n'y a plus de robe. Merde, fais chier. Bah, c'est pas grave, les gens ils vont attendre. Hein. Ah, qu'est-ce qu'elle m'a dit, elle? Qu'est-ce qu'elle a dit, elle? Pourquoi elle se plaint? Allez, ah, il n'y a plus de robe, c'est pour ça qu'elle se plaint. Ok. Ah, bah, c'est dommage, hein. C'est la vie, hein. Je peux pas faire tous les magasins. Donc elle va se plaindre parce qu'il n'y a plus de trucs du coup. Voilà. Voilà. Ah par contre acheter des peut-être acheter des robes tout de suite pendant qu'on n'aille plus. Grossiste, on va acheter cela. Hop, acheter. La journée n'est pas terminée donc faut peut-être commencer à. Allez, dépêchez-vous, dépêchez-vous. Allez, 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 dégage, dégage, dégage. Hop. Donc c'est un peu pareil, hein, vous voyez, même les bruits, hein, c'est pareil. Hein. C'est à peu près les mêmes. Ah bah déjà, il faudra acheter tout. Plus rien. On va attendre un petit peu. On va racheter des trucs pour demain. Voilà, hop. Voilà, donc on va faire tout de suite le. Bah là, c'est la fin de journée. On va racheter tout ce qu'on a besoin. Hop, grossiste, on va acheter ça. Ça. Hop. Voilà, hop, voilà, on a tout racheté. Tranquille. Là, on est prêt pour une nouvelle journée.
pense que je vais faire une nouvelle journée avec vous, je vais passer niveau 3. Faudrait bien passer niveau 3. Bon, ça, on va le mettre ici, par contre, on peut le mettre ici. On va le laisser ici, voilà, on s'en fout. On va faire une nouvelle journée ensemble. Et après, je vais vous laisser. C'est juste pour qu'on ait le niveau 3, voir ce que ça apporte. Je sais même pas si niveau 3 ça apporte un truc. On va faire N. Hop, nouvelle journée. Donc là, on est pas mal. Plus 600, on a gagné de l'argent aujourd'hui. Plus 600. Hier, on était en négatif. Là, on a gagné. On va quand même voir si on est bien. Hop. Alors, paiement. Ah, c'est tous les jours, faut payer 50 balles. C'est cher. Gros. Ah, bah, il y a encore un truc à payer. Ah, les factures. Ah, il y a aussi les factures. 12 balles. Ok. Là, on est bien. Stock. Donc là, on a la musique au parleur. Je sais pas c'est quoi. Ouais. Je sais pas ce que ça apporte, le parleur. Oh, je sais pas. Je sais pas ce que c'est. Gérant de magasin, on s'en fout. Grossiste. Alors, marque, on peut prendre une nouvelle marque ou pas? Non, je vais attendre un petit peu. Alors, qu'est-ce qu'il y a au niveau 3? Est-ce qu'on peut avoir des trucs niveau 3? On va regarder ce qu'on a. Alors, grossiste. Marque. Donc, level 3, on peut avoir les mannequins. Ah, voilà, on peut avoir les mannequins, c'est cool. On va pouvoir voir vite fait ensemble après. On va mettre un mannequin, tu vois. On va monter level 3. Pour mettre un mannequin, tu vois. On va faire ça. Faut juste monter level 3. Après, vous pouvez mettre même des fringues, voyez, sur des étagères. Bon, franchement, là, au niveau truc, on est bien. Après, ça. Oui, c'est vraiment pas mal comme petit jeu, j'aime bien. Donc là, c'est quoi ça? Lorsque vous atteignez le niveau requis, vous pouvez interagir à un niveau. Ah, c'est pour repeindre mon magasin, peut-être? Ah ouais, c'est pour repeindre. Après, je pense pas qu'on peut l'agrandir. Est-ce qu'on peut agrandir le magasin? Stock employé. Ah oui, on peut agrandir le magasin. C'est niveau 3, 750. Zone d'entrepôt, c'est pareil, c'est niveau 6, panneau d'affichage. Donc ça, on peut le changer également. Et sac d'achat. Je sais pas, sac d'achat, je sais pas c'est quoi. Excusez-moi. Excusez-moi, madame. Ce qu'on va faire, on va acheter tout de suite le stock tout de suite pour demain. On va acheter tout le stock déjà. Grossiste, on va acheter tout de suite ça. 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 Ah, attendez, je n'ai pas voulu. Ah, je peux pas acheter? Ah oui. Va acheter ça tout de suite. Acheter, hop, comme ça je vais faire le plein fur et à mesure. Il y a plein de monde là. Bonjour. Bonjour. Hop, voilà, c'est bon. Hop, on va pouvoir faire le plein après. Hop, on va mettre ça là-bas. Comme ça on aura déjà fait le plein. Tac. Ça, on va voir niveau 2. Bientôt niveau 3. Ah, niveau 3, atteint. Ça y est. On va attendre la journée. La fin de la journée pour voir ce que ça donne. On va juste voir si on peut acheter un mannequin. Grossiste, meuble. On va acheter un mannequin. On va acheter un mannequin homme pour l'instant. Non, femme, parce qu'on a que des trucs de femme. On va mettre femme pour l'instant. Acheter. Alors, comment ça se passe du coup le truc? Acheter juste un truc femme. On va voir ce que ça se passe. C'est d'être ça. Hop. On va mettre un F. F, il veut pas le prendre. E. On va mettre le F, on va le mettre ici par exemple. Devant les vitrines. F. On va mettre comme ça par exemple. Hop. Ça peut être pas mal. Après, pour l'instant, elle est à poil. Hein. Mais après, je pense qu'on peut l'habiller, je pense, après. Par contre, je peux. Comment on fait pour l'habiller? Ah, par contre, il me dit quoi lui? Robe. Ah, il y a déjà plus de robe. Putain, c'est chaud. Hop, on va quand même mettre des robes tout de suite. Les robes, c'est ceux-là qu'il faut. Voilà, c'est ceux-là qu'il faut. J'en ai plus. Hop. Je sais pas, je peux en mettre une là ou pas. Ah ouais, trop stylé. Voyez, c'est pas mal. Regardez, on a le mannequin là qui porte des fringues. Ouais, c'est stylé, franchement. Après, on peut pas mettre deux trucs, je pense pas. Hein. Bon, ça va super vite, t'es. On va les jeter, le bordel. Ah, c'est pas terrible de faire ça, mais bon. On s'en fout. Après, peut-être qu'on peut peut-être en acheter plusieurs. Hein, vous voyez? Faire plusieurs fois la même étagère. Par contre, les trucs, je vais pas les mettre tout, moi. Hop. Oh, bah, je vais les mettre tout, je vais les mettre là. Hein. J'ai pas le choix. J'ai pas le choix, hop. J'ai pas le choix. Vous voyez, c'est pas mal, ça, vous voyez? Ça fait stylé. Là, vous mettez plusieurs mannequins. Vous voyez, même à regard de la fille, elle est, tu vois, regarde. Hein? Qu'est-ce qu'elle fait, là? Vous voyez, ça donne envie, au fait, d'acheter des trucs. Ouais, c'est pas mal, hein. Ça fait une démonstration du magasin en fait, en gros.
C'est pas mal, franchement. En plus, vous voyez le niveau, comment ça monte déjà? Je suis presque level 4 directement là. Donc c'est pas mal, ça monte super vite. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Moi, faut pas que je vais chercher ma fille à 17h30. Putain, c'est le bordel par contre. Bonjour. On est à 1600, on n'a pas gagné tant que ça d'argent. Hein. Après, on a dépensé quand même pas mal. Hein. Pourquoi les gens ils se barrent là? On va mettre ça. Voilà. Nickel. Bon, ça c'est bon. Appuie sur N. Bon, là on pourra mettre d'autres mannequins. Alors même là on pourra même voir ce que ça donne si on fait ça. Attendez. Hop. Grossiste. On va prendre un. On va en prendre. Attendez, parce que là il y a pas mal de trucs. Hein. Marc, il faut combien de trucs là du coup? Marc, c'est 200. C'est t-shirt homme. Ah, ça va me faire beaucoup de trucs à voir en fait. 200. Après, j'ai peut-être assez d'argent. Je vais acheter. Hop, on va acheter les meubles. Bah, je vais pas avoir assez de thunes si j'achète tout. Hein. Faut 4 meubles. 1, 1, 2, 3, 4 meubles. Voilà. Il me reste combien? Bah, il me reste assez de thunes normalement. Je vais acheter des produits. Donc, faut acheter ça du coup. Ah, c'est trop cher, je vais pas avoir assez de thunes. Donc ça c'est un pantalon, 10 pantalons, on va acheter ça. On va acheter ça. Oh là, on va être bien au niveau thune, hein. Ça 200. Hop, et ça 200. Ah, j'ai encore cette thune. Ah, 800 quand même. Bon bah on va tester. On va tester ça. Hop. Donc je suis à 250 balles. On va falloir mettre les rayons là-bas du coup. Donc on va mettre les rayons là-bas. Eux pour prendre l'objet, on va le foutre là-bas. On va le mettre par là les hommes. On va mettre le rayon hommes par là. Pourquoi ils ont rajouté des trucs, vous voyez? F, F. On va mettre ça, rayon homme là. Je sais pas si je peux en mettre deux côtés, collés. On va mettre un premier rayon tout de suite. On va mettre ça par exemple. On va mettre, je sais pas, exemple, les pantalons. Les pantalons. Les pantalons qui peuvent aller avec une tenue par exemple. Vous voyez un pantalon. Là, c'est les pantalons. Ensuite, à côté, on va mettre un autre truc. Pantalon par exemple avec ça par exemple. Ah par contre ça, je peux pas l'enlever. Je peux pas l'enlever, merde, je vais le mettre ici en attendant. Le mec comme il travaille à l'arrache. On va faire ça, hop, on va mettre le pantalon là. F. Idéalement ça serait pas mal de mettre des fringues en fait. Qui sont assorties. Donc là je sais pas si je vais avoir assez de place pour mettre ça. Parce qu'il y a assez de place. Oh il y a assez de place, oui c'est bon. Vous voyez, hop, je vais mettre ça. Je peux pas prendre tout du coup. Ah oui. Prendre retour là, hop. Donc là c'est un pull du coup ça. Voilà c'est un pull. On va ranger le reste. Qu'on a besoin aussi. Hop, on va faire E. Alors ça on va le mettre par là peut-être, je sais pas. Mettre par là, F. Le mettre par là. Par exemple, je sais pas, je range comme ça hein, au pif. Hein, je pourrais ranger après, hein. Hop, ici. Là on pourrait se mettre quoi par exemple? Les pulls. C'est des pulls ça? Ah non, c'est pour les femmes ça, merde. C'est pour les femmes, ça c'est pas grave. On va mettre. Bah là, on va mettre ça. Mettre ça ici. Je sais pas si on peut reprendre les trucs ou pas. Emporter, non? Porter. Ah voilà, on peut les reprendre. On va le mettre ici par exemple, celui-là. Voilà, tac, comme ça c'est les femmes ici et les hommes de l'autre côté. Donc là c'est les hommes, hop. Ça j'ai tout fait pour les hommes. Comme ça je vous avais pas montré dans la démo, je crois. Parce qu'on pouvait pas tout faire. Là, on peut vraiment tout faire dans le jeu. On peut vraiment tout faire. Bah, ça a une version complète, donc on peut tout faire. On va juste faire une journée, voir ce que ça donne. Ah, par contre, j'espère que je vais avoir assez de fringues. Oui. Oui, c'est bon, j'ai assez de fringues normalement. Par contre, on peut remettre les robes. Ça, c'est stylé, par exemple. Donc, là, on est bien. Bon, on est bien. On va refaire une nouvelle journée. Après, je vais vous laisser. Hop. Donc là, du coup, bon, on a perdu de l'argent. Total 800. Moins 800 parce qu'on a investi normal. Hein. Mais normalement, la prochaine journée, on devrait être pas mal. Avec tout ce qu'on a acheté, tout ce qu'on a investi, on devrait être pas mal au niveau argent. Donc là, la prochaine marque, ça sera level. Prochaine marque, ça sera level. Level 5. Donc on a le temps de gagner d'argent un peu avant d'acheter la prochaine marque. Donc on a le temps. Donc je pense qu'après, il y a peut-être des mods. Hein. Peut-être qu'il y a peut-être des mods. Peut-être ça se pourrait qu'il y ait des mods. Hein. À voir, peut-être, dans l'avenir du jeu. S'il y a des modes ou pas.
qu'il y a des modes? Alors moi après je vais essayer de faire ma vidéo F1 si j'ai le temps. Enfin je vais avoir le temps de la faire mais bon. Hop. Bah forcément il y a plus de produits donc du coup les produits vont moins partir en fait. Alors par contre pourquoi le mec il prend des fringues de femmes et il essaie des trucs de fringues, je sais pas. Je comprends pas moi. C'est des hommes, ils essayent des trucs de femmes. Alors après ils ressemblent un peu à Freddie Mercury le mec. Hein. Ok, donc là elle est partie voir la robe. Alors ils peuvent acheter des robes là-bas? Non? Non, j'ai cru. Donc là je pense que l'argent va. Pas l'argent. Les fringues vont partir moins vite, comme il y a plus de produits. Ça fait un peu comme. Comme le supermarché, plus vous avez de produits, moins les produits descendent. Le stock, donc forcément c'est mieux. C'est ça qui est bien. Ouais, ça me fait 30 minutes de vidéo à peu près. Hop. Donc du coup, je vais essayer de vous proposer une vidéo sur Alaska Truck Simulator. J'ai demandé une clé à l'éditeur. Alors j'espère que je vais avoir une clé. Sinon, je pourrais pas vous le proposer sur PS5 du coup. Ce jeu sort sur PS5 prochainement. Par contre, il y a peut-être assez de place là pour remettre des fringues. Je vais regarder quand même là-bas si les gens ils ont rien laissé. Non, ils ont rien laissé. Pour y aller, hop. Voyez là, ça descend pas trop vite l'argent, ça va encore. Pas l'argent, les fringues, vous voyez, j'ai encore du stock. Hein. Je suis quand même tranquille. À part, oui, les robes, j'ai plus de robes. Faut que j'en rachète. J'ai acheté des robes tout de suite. Bon, j'ai juste à me tourner, grossiste. C'était ceux-là, je crois qu'il manque. Hop, ouais, c'est bon, c'est ceux-là. Le monsieur, il arrive. Après, comme elle est exposée, c'est bien, quoi. J'arrive, 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 j'arrive. Oh, j'ai eu le temps. J'ai eu le temps. La dame, elle allait prendre ça, peut-être, non? Ah non, même pas. Elle prend même pas ça, la dame. Vous voyez, là, c'est quand même des... Ça descend moins vite, vous voyez? On est fin de journée, on a presque rien vendu, quoi. Bah, presque rien utilisé. Du stock, donc on est bien. Le mec, qu'est-ce qu'il fait, là, vieux voyeur? Oh, tu fais voix, voyeur, là. En plus, c'est pas pour acheter, tu vas ailleurs. Mais franchement, c'est intéressant comme petit jeu. Je sais pas s'il est sorti, jeu Outlet. Faut que je regarde s'il est sorti. Je sais pas si... Je sais pas, il sortait quand, le jeu. Je sais pas. Du tout, je sais pas quand il sortait. Voilà, hop. J'ai gagné pas mal d'argent là. Bon, on n'a pas fini la journée, mais j'ai gagné pas mal d'argent. Là, on pourra se faire un petit mannequin, par exemple, avec ça, par exemple. Le petit polo. Bah, ah, j'ai pas mis les prix, par contre. Oh, j'ai pas fixé les prix, le con. Vraiment, c'est bon, ça, quoi. Ça marche quand même. Stock. Merde, j'ai pas marqué les prix. Merde. Approuvé. Approuvé. Ah, oh, j'ai pas marqué les prix, putain. Oh non, c'est bon, hein. C'est pareil, hein. T-shirt homme. Pas approuvé. Par contre, ça change pas, regardez. Ça change pas le prix, en fait. Hop, bonjour. On va mettre un petit mannequin, tu vois. On va acheter ça, on va acheter un petit mannequin, tu vois. Bon, c'est la fin de la journée. On va acheter un mannequin, tu vois. Stock, non. C'est pas dans stock. Grossiste, meuble, mannequin homme. Hop, on va acheter ça. Tac. On va acheter un petit mannequin. Hop, on va acheter un petit mannequin. On va faire des fringues par contre. Ça, on va faire un petit mannequin. Bah moi je vais vous laisser là de toute façon après. La vidéo va être assez longue. On va le mettre ici par exemple F. Bon, après on peut le mettre ici par exemple, vous voyez. Hop, on peut mettre par exemple ça, un pantalon. Ah, je sais pas si on peut on peut pas les reprendre, merde. On va racheter des fringues. On va racheter des fringues, on va acheter des pantalons, des pulls, on va tout racheter. Là on est bien ici. On va acheter des pulls. Grossiste, on va acheter pull, pantalon et ça. Voilà, puis c'est bon. Par contre, j'ai pas acheté tout. Ah, c'est chiant, ça faut rester puis. Bon, ça dépense quand même un peu d'argent. Et du coup, l'idéal, ce serait de faire ça. Attendez, hop, l'idéal, si je peux, ce serait de faire un pantalon comme ça, le mettre ici, idéalement. Bon, le mec, il a pas de culotte, quoi, vous voyez. Et on va mettre un pantalon, un pull, avec. Un pull par exemple noir, par exemple, vous voyez, ça peut faire bien.
Et voilà, vous voyez, ça fait pas mal, mannequin là, franchement. Stylé, mec. Bon, moi, qui ne met pas le caleçon. Hein. On va juste prendre les pantalons qu'on a besoin. Mais normalement, on peut mettre en étagère, je crois, il me semble. Ah, j'ai pas assez, par contre. On va faire ça. C'est pas très bien, mais bon, on s'en fout. On est là pour rigoler. Hop, on va mettre ça ici. On va prendre tout le stock. Après, je vais vous laisser. Mais franchement, le jeu, moi, j'adore. Je trouve ça sympa. Alors, le mieux, ce serait d'en avoir plusieurs, peut-être. Hop, et voilà! Et on va falloir rester là-bas. Voilà. Voilà, nickel. Voilà, on va pas avoir tout fait. Hop, on va faire ça. Par contre, je sais pas si on peut mettre d'autres trucs. Hein. F. On va faire comme ça. On va laisser ça comme ça. J'ai pas de place. Alors là, la journée est terminée. On va faire N. Donc là, on est au mannequin. Hein. Mannequin homme. Vous voyez? C'est vraiment stylé, je trouve. Les fringues sont bien faites. On voit que c'est un pull. Là, on voit bien que c'est un pantalon. Franchement, c'est vraiment bien fait. Bien stylé. Donc après on pourrait faire plusieurs tenues par exemple. Là, bah, je sais pas, un pull avec un t-shirt. Vous voyez, voilà, bah c'est le même truc donc c'est pas la peine. Mais là, même là, mettre un autre mannequin avec, je sais pas, une jupe et une robe. Par exemple, ça et ça. Ça peut aller ensemble. Hein. En plus, c'est la même marque. C'est Algarza. Algaza ici. Algaza. Et là, c'est Luxline. Donc c'est plusieurs marques en fait. On a plusieurs marques. Donc voilà. Après, on peut avoir normalement des meubles. Alors je sais pas si on peut les acheter. Grossistes, meubles. On peut avoir des trucs comme ça, des penderies. Donc par contre, bah même là, des trucs comme ça, il y a niveau 4, on pourrait acheter ça. Donc je sais pas comment ça, c'est quoi, c'est des meubles ça, non, je sais pas. On va faire ajouter par exemple. J'ai presque plus de thunes, ah là, non, j'ai encore des sous. Alors à quoi ça sert ça? On peut stocker des trucs avec ou pas, non? Je sais pas quoi ça sert. Mon avis c'est... Merde, j'ai revendu. Ah, j'ai revendu le truc, je me suis trompé. Je me suis trompé de bouton, attendez. Ah, merde, stock, meubles. Ah bah je me suis trompé de bouton. Ah merde. Ça va, c'est le même argent, je crois. Ah, je suis trompé de bouton, merde. J'ai pris E pour revendre au lieu de bouton que je voulais prendre. Vous voyez, E pour revendre. R, ah j'ai pris R. E. Ah, c'était à côté, bon, c'est pas grave. Et là, c'est un meuble, on va dire. On va le mettre, je sais pas, moi, par exemple, ici. Hop, on va mettre ça ici, par exemple. Vous voyez, hop. Et là, on peut mettre des meubles, normalement. Des trucs. Mettre des fringues. Voyez? On peut mettre des fringues en plus, vous voyez, des pulls. On va mettre des pulls, voilà, vous voyez? Mettre des pulls ici. Ah, je pense qu'on peut en mettre peut-être plus, même. Hein. Ça pouvait même en mettre dessous. Hein. Donc, je sais pas si c'est mieux de faire ça. Vous voyez? Comme ça, vous faites un truc comme ça. Ou soit vous le mettez, je sais pas moi. Vous le bougez par exemple, E. Et vous le mettez par exemple ici, je sais pas. Après, c'est pas terrible. Mais bon, vous voyez? Ouais, ça peut être pas mal, quoi, avec un mannequin, vous voyez? Comme ça, vous avez un peu de stock ici. Vous pouvez en remettre ici des fringues. Donc ça peut être pas mal quand même. Je sais pas si c'est bien, mais bon voilà, vous voyez. Après, c'est à vous d'agencer votre magasin comme vous voulez, quoi. Moi, j'ai fini ma journée, je vais vous laisser du coup. Donc là, je suis pas terrible. 405$. Bah, j'ai même gagné de l'argent, tiens. Plus 68. Comment c'est une nouvelle journée. Je vais sauvegarder, moi, je vais vous laisser du coup. Hop, sauvegarder. Sauvegarder la partie, oui. Bah, sauvegarder, c'est déjà sauvegarder. Voilà. À 16h42, il est quelle heure? 16h42, bon, c'est bon, voilà. Donc voilà, bah, c'était la petite découverte de Clothing Simulator sur PC. J'espère que ce jeu vous aura plu. Moi, je vous dis prochaine, pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de partager, commenter mes vidéos. Super bye, portez bien. Peace!